voici roi dans ce pays. Et maintenant, je vais manger tout le monde. Mais enfin, quel roi fais-tu? Tu manges tout le monde? Mais Ubu avait tellement faim qu'il mangea aussi les jaunes. Oh! J'aperçois une maman canard avec ses petits. Quel drôle d'oiseau. L'arbre est à moi! La cabane est à moi! Et c'est pas juste! Tu n'as pas le droit! Si j'ai le droit, espèce d'idiote atresse! Tu n'es qu'un petit chef à la noix! J'en ai marre de ton arbre et de ta cabane! Et Noir s'en va. Nettoie le sol! N'oublie pas les coins! Tout en frottant, il se prend les pieds dans le balai. Fais attention, espèce d'idiot! Rouge n'en peut plus. Il craque. Sale gosse! Espèce de petit chef à la noix! Il en arrive même à se donner des claques. Et quel capitaine? Moi! S'écrie Rouge que le goût de diriger recommence à démanger. Bon, moi aussi j'aimerais bien le capitaine. Ouais, bah t'es pas la seule. Hein. Mais si nous étions capitaine, chacun notre tour, et pour la première fois, Rouge, Jaune, Noir, Blanche sont d'accord. Leur bateau file à toute vitesse. Un jour, que la nourriture avait été moins copieuse. Excuse-nous, nous pensons que... Les poules ne sont pas censées penser, et c'est moi qui pense. C'est à moi. Défense d'approcher. Faites place au royal chariot de victuailles. Inclinez-vous devant votre roi, et saluez-le comme il se doit. Mais c'est moi le roi. Eh, pas du tout, je suis le roi. Garde. Oh, parlez-vous de cet homme. Dois-je en faire? Car, voici le roi, le seul, l'unique roi, à 85 ans. Attention, attention, le voilà, le seul, l'unique roi. On appelle à cette période la guerre des surgelés. Les armes les plus recherchées étaient le gigot congelé. Et le saumon congelé. Des pommes de terre, bien croustillantes et juste salées, c'est en frites que je vais m'en régaler. Bien le bonjour, monsieur Albert. Voilà des pommes de terre comme j'en rêvais. Par ici, la bonne purée. Je vous prie de m'excuser, monsieur Marcel. Ces patates sont à moi et il y aura des frites au repas. Bon, écoutez, Albert, ces patates, c'est moi qui les ai plantées là. Je n'en démordrai pas.